بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 34 sur le cours du triangle rectangle et le cercle, niveau 2e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. Soit la figure suivante. Calculez la distance IJ. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer la distance IJ. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Calculant IJ. On sait, d'après l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice numéro 34, que le cosinus de 60 degrés est égal à combien? Oui, est égal à 1/2. On sait que cosinus de 60 degrés est égal à 1/2. Il faut apprendre ce résultat. Dans le triangle, rectangle, EIJ, en E, c'est un triangle rectangle en E. On a le cosinus de l'angle EIJ est égal à quoi? Oui, est égal à la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire est égal à EI sur IJ, n'est-ce pas? Je répète, le cosinus de l'angle EIJ, c'est-à-dire cet angle-là, EIJ, est égal à la mesure du côté adjacent, ça c'est le côté adjacent, c'est EI, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur IJ, qui est égal à 3 sur IJ. Or, EIJ est égal à 60 degrés, n'est-ce pas? Donc, cosinus, je vais remplacer tout simplement EIJ par 60 degrés. Donc, cosinus de 60 degrés est égal à 3 sur IJ. Et puisque, et puisque cosinus de 60 degrés est égal à 1/2, alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Oui. Alors, 3 sur IJ est égal à 1/2, n'est-ce pas? 3 sur IJ est égal à 1/2. C'est-à-dire, IJ fois 1 est égal à 3 fois 2.
Ça, c'est une règle qu'on connaît déjà sur les proportions. Voilà. C'est-à-dire, IJ est égal à 6. Donc, la mesure de l'hypoténuse est égale à 6. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de l'ATFM2 du collège Bourse d'études Marrakech. Au revoir.